Il est bien loin le temps où Nicolas Sarkozy disait « Dans ce pays, quand il y a une grève, on s'en rend même pas compte ». En tout cas, demain, les Parisiens vont avoir quelques difficultés pour se rendre à leur travail, se déplacer, puisque la capitale fait face à une grève énorme de la RATP, très suivie. On n'a pas vu ça depuis 2007. De nombreuses lignes sont fermées, une dizaine, les autres vont marcher au ralenti. Bref, ça va être la pagaille. Alors, chacun va faire un peu comme il peut, avec des solutions d'appoint. Et pour la CGT et les syndicats de la RATP, ça va être le premier coup de force, c'est-à-dire le coup de boutoir pour montrer que oui, on ne se laissera pas faire face à la réforme des retraites, puisque c'est surtout pour défendre le régime spécial de retraite très particulier que les agents de la RATP vont faire grève demain. Alors, est-ce que cette grève va faire des petits? C'est toute l'inquiétude du gouvernement qui, pour l'instant, la regarde d'un air circonspect en se disant qu'il y a peu de chances que les Français suivent ces agents ou en tout cas suivent cette grève par procuration.